you mm -hmm. Hello tout le monde. Salut, salut. Salut Alain. Salut Virbaya. Salut Sarah. Salut Spit. Salut Arnaud. Salut David. Salut Christophe. Salut Arthur. Et euh, bah on va commencer. Hein. <laughs> Désolé, j'ai un petit peu de retard. Euh, J'étais en train de vérifier un truc. Euh, normalement, ça devrait aller. Bah écoute, Speed, ça va. Hein. <laughs> Un peu fatigué. J'ai pas hâte que le changement d'heure arrive parce que je sens que ça va me, me détraquer complètement. Mais... <laughs> Salut GDK. Salut Madison. Salut Romain. C'est OK pour le son On voit pas l'écran. Alain, qu'est-ce que tu ne vois pas Normalement, vous avez tous la vue écran. Non, c'est pas le cas. Normalement, vous devriez voir tous l'écran. Après, je n'ai pas encore zoomé sur, les... sur le code et autres, mais euh, normalement, ça devrait le faire. Alors, juste pour reprendre un petit peu... Euh, J'ai avancé un peu de mon côté hier soir. Du coup, comme je vous l'avais dit. Euh, Est-ce que je peux... Alors, ça va faire un peu trop gros pour moi. Ok, top, super, très bien. Alors, comme je vous l'avais dit, euh, comme je vous l'avais dit hier, attendez, je vais déplacer mon micro parce qu'il est devant moi et je vois pas parfaitement. Voilà, ça va le faire. Pas de souci alors. Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est on va continuer un petit peu le code. Euh, comme vous le savez, j'ai repris un projet euh, existant que, que déjà, euh, sur lequel j'avais déjà bien travaillé, qui avait une très bonne base euh, pour avancer. Euh, donc je le remets euh, au goût du jour, on va dire, en essayant de, 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 le, de le rendre un peu plus propre. Pourquoi pas à la fin essayer d'en extraire euh, un qui ou autre, je ne sais pas encore euh, ce qu'on pourrait en extraire. Mais... Euh, dans tous les cas, l'objectif là, aujourd'hui, je vais continuer à améliorer un petit peu les composants. Donc hier, j'ai continué sur le bouton de base. Et je me suis dit que pour vous, ce serait plus drôle quand même de voir à quoi ça ressemble en direct. Donc, je vais mettre le. J'ai mis le serveur euh, localhost. <laughs> voilà. Alors. Ouais. Alain, ce sera toujours le cool dev club jusqu'à ce qu'il soit fini le matin. Donc, pour l'instant, dans les pages, euh, j'ai pour l'instant un peu nettoyé. J'ai juste mis un bouton pour pouvoir tester le bouton en direct ici. Et euh, donc voilà. Et ce que je voulais vous montrer hier que j'ai pas pu vous montrer euh, dès le début, c'était que ce qui est intéressant à faire, comme je vous le dis. Euh, moi, j'utilise beaucoup les REM plus, enfin, j'utilise même que les REM plus que les pixels. C'est pour ça que j'ai eu, euh, je me suis fait une petite table de, euh, de correspondance REM pixels, entre guillemets, mais qui en, en gros va euh, normaliser l'utilisation des REM et plus facilement euh, m'aider à, à, à les utiliser. Euh, vous le savez, j'ai mes différents euh, éléments. Donc, j'ai rajouté pas mal de choses, mais bon, on verra au fur et à mesure. J'ai créé pas mal de classes que je vais pouvoir réutiliser à l'intérieur de mes. Euh, de mes, euh, de mes composants beaucoup plus facilement sans surcharger non plus le, le HTML et euh, du coup pour vous montrer un petit peu à quoi ça sert de faire tout en REM et ben regardez là c'est je vous le dis hein, c'est un peu dégueu c'est un peu en chantier mais vous voyez ce texte là enfin ce style là faut l'ajuster hein, mais en gros le fait euh, donc ça c'est mes euh, c'est mes mixins euh, CSS et euh, donc du coup le @include Ici va me permettre de spécifier que euh, alors c'est tout mon système hein, que je vous avais montré euh, donc je vais avoir d'un côté mes breakpoints et je vais avoir d'un côté mes mixins de media query voilà et en fait à chaque fois que je vais euh, invoquer euh, un include et ben, tout simplement il va aller le matcher avec euh, ben, en gros le, la media query correspondante en fonction des breakpoints que j'ai donnés en, en variable ici donc c'est bon, il euh, n'y a pas besoin de savoir trop euh, le fonctionnement précis. Hein, tout ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ça me permet de cibler très rapidement euh, des Media Queries sans avoir à, à chaque fois réécrire At Media Query, tatata. Ta, ta, ta. Et du coup je peux l'imbriquer dans, dans, du, dans du style, etc. Truc intéressant, donc c'est quand on utilise les REM, comme son nom l'indique, les REM c'est les routes, euh, c'est le route EM. Donc EM c'est. Euh, alors je, si je ne dis pas de bêtises, c'est la largeur euh, standard d'un M. Donc, euh, c'est ça en haut. Ce qui va permettre de euh, définir que... Puisqu'un M, en général... Si, je ne dis pas de bêtises encore. Peut-être que je vous dis euh, n'importe quoi, mais je crois que c'est ça. Euh, un M euh, étant, en général, un carré en termes d'espace, de, ben, ça permet de dire que s'il fait 16 pixels, par exemple, ben, il va faire 16 pixels de chaque côté. Et donc, on utilise le EM comme euh, unité de base en fonction de la taille, en fait, de, euh, de, de la police qu'on a décidée. Et euh, quand on utilise « em », simplement, ça va être la taille de la police euh, héritée de, de, de l'élément juste au-dessus. Donc, euh, le problème, c'est qu'on n'a pas toujours la main sur l'élément euh, juste au-dessus. Et ce qui est intéressant en utilisant les « rem », c'est que les « rem » vont être « root », c'est-à-dire qu'ils vont correspondre à la plus haute déclaration, euh, donc le root du style, en termes de taille de, de, de police. Donc, ce qui est bien, c'est que si dans mon HTML, ici c'est mon template hein, de, de base, si dans mon HTML, dans le style du HTML, j'ai bien déclaré que je voulais euh, en euh, font size de base 16 pixels, puis qu'ensuite en, en, alors ça c'est taille d'écran, on va dire intermédiaire, tablette plutôt, je veux que ça passe à 18, ensuite je veux que ça passe à 20, ensuite je veux que ça passe à 22, et ben ça sera toujours la référence qui sera utilisée quand moi je vais déclarer des tailles d'éléments en rem. Ce qui fait que là Ici, on se retrouve par exemple avec euh, ce, euh, ce, euh, cette, euh, cette fenêtre, avec le bouton valider. Vous allez voir, en fait, plus je vais l'agrandir, donc c'est des breakpoints, hein, ce n'est pas euh, progressif, mais plus je vais l'agrandir, vous voyez, ça s'est déjà un petit peu agrandi, plus je vais l'agrandir et plus ça va s'adapter automatiquement. Et forcément, vous voyez, à la fin, je me retrouve avec un bouton qui est quand même beaucoup plus gros. Et en fait, ça va adapter comme ça toute mon UI sans euh, faire des trucs complètement exagérés. Hein. Il faut quand même gérer le responsive après. En termes de d'espace de contenu, mais au moins, on va dire que les éléments, eux, ils vont scale en fonction de la taille d'écran. Et ça, c'est, je trouve, très très intéressant. Et puis après, en même temps, le fait d'utiliser les REM, ça nous permet d'avoir une sorte de rigueur qui fait que bah, on a des éléments qui seront bien proportionnés les uns avec les autres. Alors, Alain, je suis pressé qu'il soit terminé pour voir ce que ça donne. Il faudra être patient, ça va prendre un peu de temps. <laughs> Euh, c'est, euh, vu que je travaille dessus euh, sur mon temps libre et avec vous en général, c'est forcément un projet euh, sur le long terme. Virbaya, je ne comprends pas bien à quoi sert cette table de REM. En gros, si tu veux, à chaque fois, euh, dans les REM, ici, je pourrais déclarer à chaque fois... Euh, que euh, ben, tel élément fait un REM, tel élément fait 1,25, tel élément fait 1,375, so etc. Mais le truc, c'est que moi, j'ai eu plus l'habitude de travailler jusqu'ici, enfin jusqu'ici maintenant, ça fait un moment que j'utilise les REM, mais jusqu'ici en pixels. Donc je sais que, euh, et surtout, je sais que dans mes, dans mes maquettes, eh ben, quand je déclare 16 pixels, eh ben, euh, je veux avoir quelque chose pour savoir à quoi ça correspond. Et comme je te l'ai montré avant, en fait, ça va toujours changer le, la valeur en pixels euh, en fonction de la taille de l'écran. Donc moi, pour me donner une référence, j'estime qu'en mode normal, 16 pixels doivent représenter un REM. En mode, puisque c'est ce que j'ai déclaré à la base. En mode euh, 18 pixels, etc. Et donc quand je vais avoir ma maquette, je sais que 16 pixels vont correspondre à euh, un REM quand je vais faire mon truc, etc. etc. Donc je vais utiliser cette variable-là dans mes styles plutôt que d'utiliser euh, un REM, par exemple. Ça va m'aider comme ça à, à, à mieux jauger mes, mes trucs. Mais du coup, il faudra que je vois aussi comment j'implémente les maquettes différemment parce que je ne l'ai pas encore fait en fonction. Mais c'est vrai que ça peut jouer. En tout cas, voilà, c'est juste une table de correspondance entre ce que ce serait normalement en pixels et ce à quoi ça correspond en REM. Voilà. Arnaud, la même passion REM, bah oui, c'est beaucoup plus euh, fluide à utiliser quand même. Alain. Tu l'as fait toi-même ton template Alors, un, on utilise Nuxt, on utilise Vue. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore, euh, qui n'ont pas trop suivi. En gros, euh, Vue et Nuxt sont euh, deux frameworks complémentaires qui permettent de créer des applications web plus facilement. Et le template est, euh, est euh, tout simplement euh, dans Nuxt prédéfini. Alors là, on le nettoie, hein, il est très dégueu. Mais surtout, pour l'instant, on va se concentrer sur les, euh, sur les composants pour les nettoyer. Virbaya. Régler le font size du HTML à 62,5%, ça suffit pas. 62,5% de quoi C'est ça qu'il faut que tu te dises. Euh... En fait, ça va toujours être de ton élément parent. Euh... Les pourcentages, tu sais jamais vraiment à quoi ça va correspondre en fonction du contexte et tout. Donc, euh... non, moi, je préfère avoir bien le. Après, chacun son... Son... sa manière de travailler. Hein. Bien sûr, ça, c'est ma manière. Après, je n'impose pas. Tu peux peut-être le faire comme ça, avoir. Victor. Hello, j'arrive en retard, j'ai loupé quoi T'as rien loupé de spécial, je refaisais juste un petit, euh, un petit point sur ce qu'on avait fait. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu les modifications que j'ai fait sur le bouton. Euh, si Victor, t'as manqué le truc que je montrais, en gros, on peut, euh, grâce au REM, avoir une, une interface où les éléments automatiquement scale en fonction de la taille d'écran. <laughs> voilà. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Euh, pour ce bouton, donc euh, typiquement, euh, je vais essayer de récupérer le maximum de fonctionnalités d'un bouton de base et de les réimplémenter euh, à ma manière. Donc pour moi, il y a deux types de boutons euh, que je sais que j'utilise dans, euh, dans, euh, dans mes applications. C'est les boutons que j'appelle euh, Holo et les boutons normaux en gros. Du coup, un bouton Holo, ça ressemble à ce que vous voyez là à gauche, et un bouton normal. Ça ressemble à ça. Voilà. Tout simplement. C'est un bouton euh, pleine couleur euh, avec euh, dedans l'inscription le, le, en blanc. Hello Quentin. Donc du coup, on va remettre en mode normal. Et j'ai mappé du coup plusieurs choses. J'ai mappé ben, le holo en termes de props. Donc je reçois une props holo, le disabled. Comme ça, je peux... Rendre entre guillemets inopérant mon bouton. Euh, J'ai aussi d'autres éléments qu'on va avoir. Mais voilà, j'essaie de récupérer en gros un maximum de fonctionnalités de base d'un bouton et de les réimplémenter. Donc là, ici, on voit que mon disable, je l'ai reçu en props dans mon composant, ici, ce qui va me permettre de le remapper dans le disable classique du bouton. Donc c'est la propriété de base de la balise bouton. Ici, mes classes, ce que j'ai déclaré, c'est euh, un identifiant pour mon bouton de base. Ici, j'utilise du coup mes styles que j'ai définis à l'intérieur de mon main. Donc moi, je mets toujours, mais je vais peut-être le changer, ça. je vais peut-être faire un dossier classe et avoir des classes par, euh, on va dire, thème. Mais voilà, j'ai un, un, un ensemble de classes pour les fonts, donc pour les... où j'ai mappé du coup mes REM. Et, euh, et aussi certaines classes comme bold, etc. Mais ça, je les rajoute au fur et à mesure que j'en ai besoin. Et du coup, je vais pouvoir réutiliser à chaque fois que je veux une police un tout petit peu plus petite que la police de base, fssm, qui correspond à font-size small. Ici, font-size bold. Et en fait, c'est juste des styles que j'ai déclarés à la, dans mon fichier global de sss que je réutilise. Ici, transfast, ça correspond à les transitions rapides, par exemple, que je réutilise partout, etc., donc on essaie d'enlever de, de, un petit peu euh, des classes redondantes du euh, fichier et on essaie de les extraire pour pouvoir les utiliser globalement et avoir un système cohérent qui permet de nous y retrouver. Ça ressemble un petit peu à comment fonctionnent la plupart des euh, kits CSS et euh, des kits UI en général, mais moi j'aime me faire mes propres euh, fonctionnements. Donc euh, voilà comment je fonctionne pour l'instant. Et ça c'est des choses que j'ai remis à jour aujourd'hui, enfin hier soir. Du coup. Dans vue, quand on veut déclarer des classes dynamiques, le mieux c'est, on peut, euh, alors faire comme je faisais à une époque, mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, on peut déclarer euh, une propriété computed dans notre script, mais on peut aussi euh, utiliser ce système d'objets, en fait, euh, à l'intérieur d'une du un, déclaration classe dynamique, c'est pour ça qu'il y a les, les deux points, donc ça correspondrait à un bind class. Et euh, attendez, je vous reprends un tout petit peu, parce que je vois que vous envoyé. Victor, le CSS, tu le fais en Tailwind ou SCSS Tout en SCSS. Je n'utilise pas Tailwind du tout. J'utilise aucun qui tue. Je fais tout à la mano. Parce que, comme je le disais hier, je récupère de projet en projet les avancées. Et du coup, ben, ça me permet de créer mon propre kit UI. Et d'ailleurs, ce sera intéressant un jour de prendre tous ces éléments de kit et de créer par exemple un storybook, ou je crois que ça s'appelle, qui permet d'avoir un kit UI euh, en gros documenté et visuel. Alors, comment ça fonctionne Comme je vous l'ai montré plus haut ici, je peux déclarer en props Holo, par exemple. Alors, c'est l'équivalent euh, de si je mettais euh, Holo euh, True, comme ça, hein, bien sûr. C'est juste que c'est plus rapide de mettre juste euh, le nom de la props. Quand c'est un booléen, vous allez pouvoir directement dire le nom de la props et ça va la, la remettre. En mode euh, parce que je l'ai déclaré ici en booléen, j'ai mis par défaut faux. Donc si je la déclare juste holo, il va considérer qu'elle est vraie. Ce qui va me permettre ici d'avoir des euh, conditions sur les classes que je, veux, euh, rendre, euh, que je veux rendre sur mon écran. Typiquement, ici. Je veux que quand je suis en mode, quand je sois, en... Alors, quand je suis, c'est le matin, m'en pas si je galère. Quand je suis en mode holo, donc je vérifie avec une condition ternaire ici. Si je suis en mode holo, je veux que la classe soit bg-color-transparente, ce qui correspond au background-color-transparent ici. Et si euh, je ne suis pas holo, eh ben je veux que ce soit background-color et la couleur que j'ai déclarée, parce que je peux aussi déclarer euh, une couleur. Alors j'ai un système de couleurs que j'ai moi-même euh, du coup implémenté. Ici, pour l'instant vous voyez, j'ai pas rempli, mais si vous voulez, c'est une sorte de palette de couleurs qu'on va utiliser à travers l'application et qui permet de centraliser les couleurs euh, pour avoir un système de couleurs cohérent. Et euh, je vais donc du coup pouvoir passer en props ces strings, donc c'est du string, hein, c'est des strings à passer. En fait, c'est juste primary, secondary, accent, etc. C'est des choses classiques qu'on retrouve dans Bootstrap par exemple. Et je vais pouvoir passer comme ça euh, ben, ma ma variable. Euh, Couleur, donc ma propre couleur même qui est par défaut primary, c'est pour ça qu'elle est bleue ici, puisque j'avais déclaré dans la couleur que primary était bleu. Si par exemple j'avais déclaré que secondary était du vert, on va tester tout de suite, et qu'ici j'avais mis un color égal, euh, du coup c'est secondary, voilà, vous voyez elle est passée en vert, alors je vais enlever le holo, on verra mieux. Et là, elle est passée en vert. Parce que j'ai déclaré ici que la secondarie était green. Donc pour le système de couleurs, ce que je fais, c'est que je déclare une palette qui semble être, euh, on va dire, euh, la plus euh, utilisée. Et puis après, je me réserve euh, des slots, en fait. Donc, des, euh, des, euh, des, on va dire des emplacements vides que je peux customiser si j'ai besoin de couleurs très précises dans un projet. Voilà. Après, on verra si, comment on pourrait implémenter un système de thèmes, mais pour l'instant, on va rester sur, euh, sur euh, simple, quelque chose de réutilisable facilement. Donc, dans Vue, euh, et d'ailleurs dans JavaScript en général, quand vous voulez déclarer une clé d'objet, qu'elle soit dynamique, donc pour rappel, une clé d'objet, c'est euh, typiquement vous avez euh, euh, un objet euh, comme ça. Alors en JavaScript vous allez avoir. Euh, attendez, je, je vais mettre un truc en commentaire. Ah, je me trompe toujours parce que je change de clavier. Oui. Ok. Bon je vais vous faire un... On va, on va regarder un petit truc. Bon, vous voyez comment fonctionne un objet en, en JavaScript. Je fais juste une petite... Euh, Voilà. Alors un objet en JavaScript, typiquement, euh, il va s'écrire comme ça, avec euh, entre euh, euh, entre euh, accolades, il va s'écrire, euh, ben, clé valeur. Ou, euh, enfin, voilà, vous avez compris, vous connaissez les objets en JavaScript, j'espère. Et euh, vous allez toujours avoir un système de clé valeur. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux dynamiquement déclarer une clé La valeur c'est facile, parce que en fait la valeur là, ça va être euh, ça va être une valeur comme ça. Elle est déclarée, je peux la réutiliser ici. Si c'était une string directement, il faudrait que je fasse ça. Mais ici, dans la clé, euh, si je veux par exemple aussi avoir une autre forme de... de... Si je veux que ce soit une, une, un objet ou une variable, cette clé, et eh ben tout simplement, je vais utiliser les crochets. Et ça va me permettre de déclarer une variable ici. Donc ça, ça ne va plus être euh, une clé. Enfin, ça ne va plus être le, la clé qui, ça va être l'objet qui. Ça va être le... Euh, donc là, ce serait... Euh, ça ne peut pas être le même, hein, mais bon, voilà. En gros, ce serait ça. Et ça correspondrait à une variable. Euh, par exemple... Euh, var clé... J'en sais rien, bref, on s'en fout. Mais je vais pouvoir utiliser ce terme-là, ici, comme clé. Et donc, ça va me permettre de dynamiquement cibler euh, des, des clés dans un objet. Pareil, si j'avais besoin... Euh, je récupère d'une API, par exemple, un, un, euh, une clé euh, de, de valeur qui soit euh, euh, Hello World, comme ça, bah, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Euh, donc, euh, c'est problématique, je ne peux pas utiliser euh, des caractères spéciaux comme ça, il faudrait que ce soit ça. Ce truc, c'est qu'on n'a pas toujours euh, la possibilité de le faire. Euh, du coup, pour ré résoudre ce problème-là, pareil, on va mettre entre crochets et on va mettre une string. Et en fait, j'aurais très bien pu mettre ça ici, et ça aurait euh, été la même correspondance. Voilà. Et du coup, je peux utiliser comme ça des éléments plus euh, dynamiques à l'intérieur de mes clés. Du coup, pour revenir, vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça, pour revenir ici, eh ben, c'est le même principe. C'est-à-dire que pour déclarer euh, une classe dynamique à l'intérieur d'une balise, si je veux qu'elle soit activée, je vais mettre true. Si je veux qu'elle soit pas activée, je vais mettre false. Ça peut être une condition, ça peut être une variable. Et ici, eh ben vous voyez en fait, à partir du moment où on déclare que euh, c'est entre crochets, je peux aussi faire du code, on va dire, entre guillemets, à l'intérieur. Je peux aussi faire une condition et je peux passer du coup une string complète. Voilà, avec des tirés et autres. Et en fait, dans les classes, la clé va correspondre à la classe qui va être insérée et la, la valeur va correspondre à si elle est activée ou pas. Et si on, ne, et si on place directement... Euh, l'élément euh, euh, comme ça et ben, en fait, il faut que euh, par défaut ce soit euh, il va réutiliser le nom de la clé et il va considérer qu'elle euh, est aussi sa même valeur enfin sa propre valeur Voilà. alors Virbaya". et du coup toutes les variables qui ne servent pas tu les supprimes avant de déployer ou tu les laisses au cas où elles serviraient plus tard alors si je ne me trompe pas il y a un système de tree shaking donc logiquement si elles ne sont pas utilisées elles ne sont pas compilées mais euh, je pense qu'on va en utiliser la plupart mais normalement, elles ne sont pas compilées. Mais je dis peut-être une bêtise. Hello Fabien. Cool du code et vu en plus. Vu et même next. Pourquoi YouTube par contre et pas Twitch pour le direct Peut-être Twitch un jour, mais comme je le dis pour l'instant, la communauté est sur YouTube, donc je me réserve pour YouTube et puis on verra dans le futur si, euh, si on passe sur Twitch. Mais pour l'instant, euh, euh, YouTube me va très bien. Mais peut-être un jour Twitch. Peut-être un jour si, euh, si je monétise le contenu Twitch sera plus approprié. Ils te le disent aussi, tu ne les utilises pas. Ok. Un système de... Ah, de tree shaking. Le tree shaking, en fait, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu... C'est comme si tu avais un arbre et que tu le secouais. Tree shaking. Et en fait, tu sais, quand tu secoues, ben, il y a des... les fruits vont tomber, ceux qui sont pourris. Et en gros, c'est le principe. C'est-à-dire que tu vas avoir une arborescence de, de données. Et en la secouant, ben, tu vas faire tomber celles qui ne servent pas. Et dans l'arbre ne va rester que celles qui sont utilisées. Ça vient de là. Le terme. Tu pourrais nous montrer les extensions que tu utilises Ok, je peux vous montrer ça. Je vais juste vous présenter la fin de ça et après je vous montre les extensions que j'utilise. J'en utilise pas beaucoup, hein, je vous le dis. Enfin, euh, je ne suis pas euh, en mode 20 000 extensions, etc. Donc, ici, on voit que j'ai mappé mes, euh, mes différentes classes en fonction, en gros, euh, de, bah, du paramètre holo pour qu'il puisse s'adapter automatiquement. Donc, je n'ai pas fait des conditions, euh, enfin, on va dire, euh, en JavaScript. Hein, euh dans, une, dans mon script enfin c'est ça que je veux dire surtout j'ai pas fait du, du script dans des computed, non j'ai juste mappé des, des classes avec, euh, avec ma props pareil loading ce sera quelque chose qui me servira à afficher un loader euh, holo ben, ça c'est juste pour qu'il ait la classe holo et d'ailleurs je suis même pas sûr que j'en ai encore besoin je crois que j'en ai même plus besoin en théorie je pense que si je l'enlève il va pas m'en vouloir non, voilà. Et je pense que si je mets holo, ça fonctionnera toujours. Parce que j'ai enlevé cet élément. Voilà. Et muted, mute, enfin muted c'est euh, juste la classe qui va me permettre. Étant donné que j'ai beaucoup euh, réécrit le style du bouton, je suis obligé d'anticiper comment, euh, comment euh, ben, prendre en charge le, le, on va dire le, le, la désactivation en termes de style. Bref. C'est le type s'il est bouton submit ou normal. Ça, on verra ça plus tard. Et je vous montre un tout petit peu le style, comment je l'ai géré. Donc, toute la partie style là, c'est ce que je dois encore refaire. Mais voilà comment il fonctionne, mon bouton. Pourquoi est-ce que je l'ai déclaré en position relative Je l'ai déclaré en position relative parce qu'à l'intérieur, je prévois d'avoir une icône et cette icône là, je sais que je vais peut-être devoir la bouger un petit peu et elle va peut-être avoir elle-même une position relative ou absolue, je sais pas. Donc il faut que par anticipation, je mette relative. Donc je vous ferai peut-être un tuto sur les positions relatives absolues parce qu'au début, je sais que c'est vachement confus, mais une fois qu'on l'a en tête, ça marche bien, c'est simple en fait à comprendre. Ensuite, euh, cursor pointer, ça c'est un classique, c'est pour pardon, c'est pour avoir le curseur qui se met en mode petite main. Alors moi je le déclare jamais sur le over, je le mets tout le temps en, en, de base comme ça. Mon padding où je vais réutiliser du coup mon mappage euh, REM pixel. Euh, border none. En théorie, je crois que j'en ai plus besoin non plus. Parce que j'avais déclaré qu'il n'y avait pas. Donc ça je pense que je peux l'enlever. On va regarder. Vous voyez, j'ai pas fini de le nettoyer, c'est pour ça que encore faire quelques ajustements. Voilà. De toute façon, on peut améliorer à l'infini. On est en train d'améliorer un bouton, mais ça, ça peut durer longtemps. Bref. White space et outline. Enfin, euh, white space surtout, ça va me permettre d'avoir euh, sur une seule ligne le... Euh, le euh, D'ailleurs, je crois que j'ai oublié un élément. Non, bon, il y a peut-être un line break. Bref. En tout cas, ça me permet de ne pas avoir le bouton qui se met sur deux lignes si le texte est un peu grand. Euh, par exemple, si je fais ça... Voilà, ça va être sur un seul. Euh, alors que si je faisais ça, je crois qu'il me le passe sur deux. Bon, pas dans ce cas-là, mais bon, ça, ça pouvait arriver en tout cas dans l'ancienne version, donc j'avais rajouté. Plus maintenant apparemment. Outline transparent, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est pour le... Euh, vous voyez quand je clique, ça ne met pas un encadré en fait de sélection. Euh, il ne faut pas trop le faire normalement parce que c'est une question d'accessibilité. Mais bon, moi là, j'ai envie d'avoir quelque chose de d'élégant donc euh, voilà désolé, il ne faut pas le faire ça euh, text align center bon ça, ça vous connaissez et ensuite voilà ce que j'utilise pour mes différents effets euh, d'état euh, on va dire du bouton par exemple sur le hover donc je cible bien quand il n'est pas désactivé sinon il va me mettre l'effet aussi quand il est désactivé et je ne veux pas euh, donc euh, scss hein, quand on a une, une pseudo classe ou une classe en plus à l'intérieur d'une classe enfin en ajout d'une classe, on utilise une, une l'esperluette, je crois que ça s'appelle comme ça euh, ici. Et donc moi, je vais pas utiliser des trucs où je vais dire ah bah tel background il va devenir ça, il va devenir ci, puisque comme j'ai déclaré mes backgrounds en, dans mes fichiers CSS, je peux pas ici retrouver euh, ben, le background correspondant. Donc j'utilise plutôt des filtres. Donc les filtres, ils sont vachement euh, compatibles. Il y a que Internet Explorer, mais bon Internet Explorer ça représente 1% des navigateurs, donc euh, je m'en fais pas trop. Euh, et de toute façon, c'est complètement obsolète. Maintenant, c'est Edge, même sur Windows, qui est par défaut. Et voilà, je vais utiliser des filtres. Donc, par exemple, je vais utiliser le filtre Brightness pour éclairer entre guillemets mon bouton quand il est over. Donc, euh, si je si j'exagère l'effet, vous allez voir. Si j'exagère l'effet, voyez, ça me fait le même effet que si je euh, entre guillemets je euh, j'augmentais la, la, la valeur. Euh, en changeant le, le background, sauf que je sais que je récupérerai toujours la même couleur. Pareil pour le, le active. Vous voyez, si je fais active, il va se foncer. Le loading, j'ai fait l'opacité, par exemple, etc., etc. Donc il faut utiliser les pleines capacités de CSS quand on fait des choses, comme ça, ça permet de ne pas avoir, à, à avoir de la redondance. Voilà. Via baya c'est propre à vue. Si tu parles du tree shaking, non. Le tree shaking, c'est un principe de base de la compilation. À partir du moment où tu vas avoir des ressources, c'est pas quelque chose d'automatique, mais quand il y a un système de tree shaking, tu vas avoir euh, bah voilà, toutes, les, toutes les dépendances qui ne sont pas obligatoires, les librairies, les machins, qui vont être exclus du programme. Et ça évite d'avoir des bundles qui font une taille euh, énorme. Fabien, Vêture sûrement, tu as une extension de Sarah pour le snippet qui est très bien pour faire la mise en page de tes méthodes, etc. Je vais, fin... je vais finir VueX de Vue.js, je vais attaquer les JWT, c'est vraiment cool. Vue. Combo avec Firebase, c'est super puissant, c'est clair. Euh, vêture, oui, j'utilise vêture forcément. Je vais vous montrer les extensions là, juste après que j'utilise. Pourquoi l'outline transparent située en REM? Alors l'outline, tu vas comprendre ce que c'est. En fait, l'outline, c'est quelque chose de... Euh, une question d'accessibilité Tu vois, regarde, je ne sais pas si tu vois Il y a un cadre qui est apparu Autour du bouton là, quand je le sélectionne En gros, il faut savoir qu'on n'a pas Il bon, y a des personnes qui ont des problèmes de... Ou qui ont des, euh... alors ce n'est pas forcément des problèmes euh... Des fois, enfin Ce n'est pas des problèmes, mais il y a des personnes handicapées Qui ne peuvent pas voir, c'est des problèmes du coup Quand même, c'est pas facile Mais qui ont du mal à voir les choses sur les écrans. Et donc du coup, ça peut les aider d'avoir cet élément-là. De la même manière, il y a des gens qui ne euh, peuvent pas, avec leurs mains, euh, déplacer une souris et aller cliquer sur le bouton. Et ils vont utiliser bah, par exemple tab. Tu vois là j'ai appuyé sur tab. Et ça m'a sélectionné le bouton. Et je sais que c'est cet élément-là qui est sélectionné. Donc, en fait, si tu euh, supprimes le outline, tous ces éléments d'accessibilité vont être supprimés aussi. Alors, tu ne vas plus pouvoir l'utiliser. Pareil pour les personnes qui ont euh, des, euh, des, euh, -sc euh, des screen-to-text. Alors, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais en gros, ça te donne euh, les... Enfin, ça te... pour les personnes qui sont aveugles, ça veut dire à tel endroit, il y a telle chose, machin et tout. Si tu enlèves des fonctionnalités d'accessibilité, de... ça risque de... de poser problème pour eux. Donc, voilà. Là, je le mets, mais c'est pas l'idéal, hein, vraiment. Il faut éviter si... En fait, là, je le fais parce que je sais que c'est un projet pour moi. Je sais que euh, le, le, le club... Euh, sauf si j'ai une demande et à voir. Mais euh, voilà, si vous faites un projet pro, il vaut mieux laisser les, les éléments d'accessibilité. C'est important. Alors... Et du coup, ça n'a rien à voir avec les REM. Ce hein. serait pareil. Que tu utilises les pixels ou les REM. Hello David. Alain. Tu as des missions aujourd'hui, go, moi aujourd'hui je commence à coder mon framework, là, 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 qui permet de créer des commandes. Alain, il faut que tu euh, faut que avances sur ton projet, mais que tu ne nous tiennes pas au courant de toutes les étapes. Hein. Il faut que tu, faut que tu avances et que tu, euh, et que tu nous montres au fur et à mesure, euh, mais à des moments où tu as fait beaucoup de choses. Mais je ne peux, peux pas te prendre en, 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 en direct et te répondre en direct comme ça pendant le live, il y a tout le monde. En tout cas, courage pour ton, pour ton, pour ton projet. David, tu ne t'es pas lancé sur Flutter Web Tu as dû y répondre, J'ai pas suivi le début. Pas encore, non. Je, je n'ai pas encore euh, eu le temps. Et vu que j'aimerais bien avancer quand même sur ce projet-là, ben, je me dis que pour l'instant je le fais en mode, euh, en mode euh, web classique. Et puis euh, après, au pire, je ferai une appli euh, juste Android-iOS, il faut. Mais j il faut que je m'y mette, il faut que je regarde. Mais bon, j'ai eu des échos aussi comme quoi. Euh, fallait peut-être attendre un tout petit peu encore. Hein. Mais bon, je pense que c'est quand même bien mature. Fabien, flotteur qui a fait des annonces, ça prend de l'ampleur. Ah oui, bien sûr. Si vous avez pas vu le. Si vous n'avez pas vu le... mon débrief sur la keynote flotteur, allez le voir. Hein. Je... je vous fais le... le résumé. Arnaud, ok, je vois, j'avais confondu avec une autre propre. D'accord, pas de souci. Alors, euh... du coup, je vais vous montrer un petit peu les extensions que j'ai, si vous voulez. J'en ai pas énormément. Euh j'en que j'utilise pas ça c'était euh, comme j'ai bah vous voyez pour le coup moi j'ai quelques problèmes de vue <laughs> du coup avant j'utilisais un thème blanc parce que sur les contrastes euh, j'avais des problèmes pour voir euh, les choses mais là maintenant ça va un peu mieux donc je me suis remis sur un thème sombre donc j'utilisais ce thème là euh, dart bon c'est pour faire pour, pour faire du dart avec flutter le débugger de chrome euh, je crois que ça... Oui, voilà, ça permettait de lier euh, justement bah, les, les breakpoints pendant la, le debug pour les retrouver directement dans le, dans le navigateur. Docker, c'était quand je faisais des essais avec Docker. Euh, Firebase, ça, c'était la... voilà, pour écrire des règles de sécurité. Euh, C'est euh, de l'autocomplétion. Pour Firestore, rules, exactement la même, mais pour les règles de, de Firestore. D'ailleurs, euh, en fait, c'était la même. Je sais plus pourquoi. Moi, bon, il y en a deux. Je pense que j'en avais installé deux et que peut-être j'en ai utilisé aucune au final. Flutter, c'est Flutter, c'est pour pouvoir euh, utiliser tous les outils de Flutter. Graphql, c'est pour pouvoir avoir de l'autocomplétion euh, en GraphQL, tout simplement, et avoir euh, des euh, voilà, définitions, etc. C'est souvent des trucs classiques comme ça. GraphQL to REST Query. Alors, qu'est-ce que c'était ça J'ai des choses, il faut que je les vire, hein, parce que c'est des choses que j'ai essayé mais. Euh... Bon. Alors, ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai. Je vais le dégager tout de suite. JS, CSS, HTML, Formateur. Euh, ça, c'est une sorte de prétilleur, mais je ne sais pas si c'est celui-là que j'utilise ou, euh... ou un autre. Material Design Icon, ça, c'était pour avoir euh, en. Suggestion, les icônes directement en autocomplétion pour pouvoir les voir quand j'utilisais les Material Design Icons, mais je ne les utilise plus aujourd'hui. J'utilise euh, euh, Font Awesome plutôt. Ça, c'est euh, pour avoir le thème avec les icônes dans VS Code en mode matériel. Prettier, c'est pour pouvoir auto-formater son code. Donc en gros, on a une commande et euh, par exemple, si, euh, si je fais ça là, j'ai une commande, bam, et ça me remet automatiquement la bonne enfin un format... Euh, on peut d'ailleurs customiser, mais bon, ça, ça le met automatiquement dans un format plus joli, d'où le nom prétire. Code formateur. Rainbow bracket, c'est pour avoir euh, des étages de différentes couleurs euh, quand on fait des, des, des brackets. Mais du coup, je sais même pas si euh, c'est fonctionnel avec le thème que j'ai aujourd'hui. Il faudra que je vois. SCSS intelligence, c'est pour avoir de l'autocomplétion en SCSS. Donc, je crois que j'ai dû un peu modifier le truc pour que ça fonctionne bien parce que j'avais quelques soucis avec. Du coup, j'avais dû installer StyleInt pour que ça fonctionne. Ça, c'est mon thème principal, Synthwave 84. Euh, vous savez que j'aime bien ce, cet univers. Donc, <laughs> vous voyez toutes les vidéos à chaque fois hein, dans, en, en, en fond de mes vidéos. Tailwind, c'était euh, bah, toute l'autocomplétion, toute euh, l'intelligence de Tailwind quand j'utilisais Tailwind. Vêture pour euh, tout ce qui est vu ça c'est quand je voulais compter mais mon nombre de lignes euh, ça c'était pour exporter les les extensions ou les importer ça c'est des snippets vue 3 euh, vue pic ça oui c'est pour aller directement à la définition ça c'est un truc euh, que j'installe je sais même pas si j'utilise ça c'est de du pour le YAML et euh, ça je l'utilise pas vue beautify parce que j'utilise prettier je pense et voilà c'est tout ce que j'utilise vous voyez j'utilise pas grand chose au final je sais que je pourrais utiliser beaucoup plus mais voilà Fabien tu pourras nous faire des vidéos mensuelles de veille techno pour être au courant des nouveautés alors est-ce que tu as regardé la vidéo sur la veille euh, techno euh... Il faut que vous construisiez un peu vous-même votre veille, mais c'est compliqué pour moi. Tu, tu, tu vois déjà, j'arrive à sortir à peu près une vidéo toutes les deux semaines maintenant. C'est compliqué hein, de les écrire et tout, ça me prend énormément de temps. Plus les lives, plus avancer sur le projet en parallèle. Donc dans l'immédiat, je ne pourrais pas vous faire de vidéos de veille, comme je voulais en faire d'ailleurs à un moment, euh, régulièrement. Euh, un jour, un jour, un jour viendra, <laughs> c'est sûr. David, oui c'est mieux d'attendre Flutter Web, un peu lent pour le moment je trouve. C'est ce que j'ai vu, ouais, que les performances ne sont pas, euh, pas encore au niveau. Alain, est-ce qu'il y aura un système pour voir l'évolution des projets en cours sur Cool Dev Club euh, en, Tu parles du projet globalement, il bah, y a le live tous les jours, je mets un petit résumé dans la VOD en général de ce qu'on a fait dans la journée. Donc à voir. Est-ce que je l'ai posté la VOD hier d'ailleurs Oui je l'ai posté. Euh, Victor. Intéressant, perso, je ne trouve pas SynthWave. Euh, c'est parce que tu l'écris peut-être pas comme il faut. Euh, SynthWave, c'est avec un Y. Comme un synthétiseur. Fabien, oui, j'ai regardé. Ok, c'est bien. Tu es euh, fidèle. <rire> Merci. <rire> non, mais en vrai, il faut que. C est, c est, vous savez, je, je fais tout ça à côté de mon, de mon boulot et ce n'est pas évident. Hein, je. J'essaie de me réserver du temps un peu pour, pour, pour moi et ma vie à côté, mais j'ai énormément de boulot, donc tout ce que je fais, je le fais au maximum de ce que je peux faire. Et un jour, comme je vous le dis, peut-être que les choses changeront et que j'aurai beaucoup plus de temps pour bosser sur ce genre de projet ou faire des choses comme ça. Du coup, ce que je voulais vous proposer aussi, c'est d'ouvrir un repo sur Git. Enfin, euh, sur GitHub, pour euh, vous mettre quelques, euh, quelques snippets de code. ou Hier, vous m'aviez demandé euh, euh, le SCSS et tout. Donc, vous inquiétez pas, je le ferai. Il n'y a pas de problème. Je vous mettrai un, 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 un GitHub dans lequel vous allez pouvoir... Je vous mettrai toutes les, euh, tous les petits trucs de code et tout euh, que vous voulez. Après, comme je vous l'ai dit, le projet en entier, ça n'a pas d'intérêt pour l'instant. Mais, euh, mais voilà. Alors... Alain, ah oui, je parlais de ça. OK. Bah oui, bah tu peux voir euh, pour l'instant, j'ai pas de lieu pour euh, entre guillemets euh, actualiser euh, l'avancée du projet à part bah, les euh, à part les daily euh, et je te dis la petite, euh, la petite description que je mets dans les VOD à la fin. Alors Virbaya, c'est déjà super tout ce que tu fais. Merci Virbaya. Fabien, les vidéos sont de qualité d'ailleurs, très pro, défi avec Benjamin Code. Merci Fabien. Euh, des avec le YouTube game français, je sais pas, <laughs> on verra peut-être un jour. J'ai, euh... je sais pas, je sais pas, j'ai pas, j ai... J ai pas de réponse à cette question. GitHub égale Youpi, ouais. Il y a un YouTuber que j'aime bien sur le sur le YouTube français et que j'aimerais bien avec qui j'aimerais bien euh... discuter au moins, c'est. Euh... C'est euh, théorie je trouve vachement bien. Team GitHub ou GitLab Perso, j'ai du mal à GitLab. Oh, Team GitHub, parce que GitHub, c'est gratuit, voilà. <laughs> c'est vite répondu. <laughs> euh, du coup, pour avancer sur notre petite histoire là de, 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 de code, on va devoir maintenant passer à la partie icône donc euh, j'ai cette option je veux cette option dans mes boutons de pouvoir mettre une icône avec euh, à côté du texte du coup euh, je vais réouvrir alors je considère que base bouton pour l'instant il fonctionne du coup on va aller récupérer base icône maintenant et on va le re rendre opérable voilà ce qui fait que là, on va avoir pas mal d'adaptations à faire aussi. Bon, ok. Du coup, je vais faire un petit peu ce que j'ai fait pour l'autre. Je vais renommer un petit peu mes classes. Alain, ah nice, c'est cool ce que tu vas faire sur GitHub, merci. Bah ça pourrait être aussi, comme euh, tu l'as suggéré, l'occasion de euh, faire un petit compte rendu de là où on est le projet et tout. Euh, mais bon, ça aurait peut-être sa place indépendamment. Euh, mais oui, je vous ferai un GitHub, vous inquiétez pas, c'est sûr. Euh, que je rendrai public, bien entendu. Donc FA, c'est Awesome. c'est le plugin de Fantausum euh, que j'ai mappé sur FA ou qui est mappé euh, directement sur FA. Alors, où est-ce que... Je pense qu'il est dans... Euh, non, il est dans plus... Ah non, ça doit être directement dans la config de Next. Oui, voilà. En gros, dans la config de Next, dans le module euh, euh, Font Awesome, on a directement voilà, la possibilité de mapper le nom du composant dans lequel on veut utiliser les éléments de Font Awesome. Et ici, en fait, on déclare euh, les, euh, les icônes qu'on veut importer. Donc, euh, moi j'importe euh, que les gratuites. Alors, il ne faut pas tout importer. Si on enlève icônes, je crois que ça met toutes les... tout, tout. Ça importe tout. Et là, pour le coup, je crois qu'il n'y a pas de tree shaking. Donc, il faut, il faut éviter de le faire. Ça, c'est des éléments que j'avais utilisés avant. Donc, euh, voilà. Il voilà, voilà, voilà. faudra que je revoie comment, comment ça fonctionne. Bref. Euh, en termes de classe, je sais que je devais déclarer un, bah, la taille du cadre dans lequel. Et ma, mon icône et le reste. Donc, on va essayer déjà de réimplanter une icône. Donc, icône, c'est pour l'instant juste une props. Donc, je crois que c'était ça. Si je dis pas de bêtises. Non, c'était pas ça. Du coup, c'était peut-être juste folder. Non. Je me souviens plus, hein, c'est pour ça. Comment j'avais fait alors peut-être euh, peut-être que je peux récupérer ailleurs. Voir comment j'avais fait ça. Mm -mm -mm. Ouais, je peux le récupérer. Donc oui, c'était vraiment juste le nom de l'icône sans le reste. C'est-à-dire que normalement ça devrait fonctionner. Pourquoi ça ne marche pas Folder. On va essayer avec un autre, mais normalement ça devrait marcher. Peut-être parce que je l'ai tout simplement. Euh... Ah oui, suis... c'est sûrement parce que j'ai désactivé le tous les styles en rapport. Ouais, c'est pour ça. Bon, faut nettoyer un petit peu là, alors quand même. Voilà, c'est pour ça, je pense. Ça, j'en ai plus besoin. Le loading spinner, on met ça en pause. Mmh, mmh, mmh. Ça, on s'en fout. Et le bouton icône, bouton texte, c'est que j'ai changé le nom. Ouais, c'est pour ça. Base button icône. Donc là, c'est base button content maintenant. et ça va être base button icône du coup ici tac voilà bon il n'est pas euh, il est pas là mais il est là alors Mir graphic card ouais graphic card bah graphic card j'aimerais bien ouais. <laughs> mais graphic card euh, c'est le, le haut du panier d'après moi mais graphic card ce serait super intéressant hein. j'aimerais bien J'aimerais bien le rencontrer un jour, j'aimerais bien discuter avec lui. C'est un, un gars que j'admire beaucoup. La boucle est bouclée. Timothée, salut Timothée. Alain, moi ma passion, c'est pas l'argent, c'est la générosité. Bah tant mieux, <laughs> c'est une bonne chose. Fabien, première fois que je viens le matin, le principe c'est de nous montrer une fonctionnalité et de la décortiquer où tu commences un projet que tu vas avancer. Bah en gros, je pense que j'avance plus vite de mon côté. Pour avancer sur le projet. Donc, ce que je vous fais, en fait, c'est vraiment une daily. C'est-à-dire que je vous récap un petit peu ce sur quoi j'ai avancé. Si j'ai le temps, j'avance un petit peu. Et là, voilà, je vous explique un petit peu des, des fonctionnalités, des trucs. comme Moi, je les utilise. Je vous donne des, petits, des petites astuces, des petits trucs. Euh, mais sinon, le projet, c'est celui-là. C'est le projet de... Si c'est la première fois que tu viens le matin, en gros, c'est le projet de, du Cool Dev Club. donc C'est-à-dire notre petit club euh, de dev avec... Euh, une partie qui moi va me permettre de pouvoir vous proposer de la, de la formation euh, premium. Premium pour pas dire payante. <laughs> Mais pas sous forme de formation formation. Mais bon, voilà, j'ai pas envie de vous faire juste une plateforme où je vous vends de la formation, j'ai envie que ce soit un truc un peu plus cool. Donc du coup, ça ressemblerait à ça, voilà, les maquettes pour l'instant que j'ai. Et euh, ce serait voilà, une plateforme sur laquelle euh, vous pourriez. Il euh, y aurait énormément, quasiment 90% du contenu serait gratuit. Il y aurait juste moi, mes vidéos de, de cours ou de, euh, ou de réalisation de projets qui seraient premium. Mais au-delà de ça, euh, tout le reste serait accessible gratuit. Euh, voilà. Ce serait quelque chose de. principalement gratuit. Il y aurait juste mon travail qu'il euh, qu faudrait forcément que je puisse euh, monétiser, entre guillemets. Alors. Hum... Ok, David, une personne qui code 40 qui regarde comment on travaille. Ouais, <laughs> j'ai la pression. Par -cam. Hello ego, c'est du VueJS, j'ai jamais vu. Aha, euh, c'est du Vue et c'est Next par dessus. Fabien, Arnaud, comme à la DDE. Qu'est-ce que la DDE Fabio, as-tu des infos sur le passage de Next ou Vue 3 pour le Support de TypeScript, euh, je crois que c'est pas encore prévu, malheureusement. Je pense, moi aussi, je suis dans l'attente un petit peu, mais je me suis pas trop tenu au, au courant. Icône FA folder, ouais, je sais bien, c'est FA folder, mais je j avais, j avais fait un système pour que justement j'ai pas besoin de mettre FA à, à chaque fois, j'ai juste à mettre le nom. Tenu à jour les vidéos, gros défaut d'Open Classroom. Bah, en fait, le but serait d'avoir d'abord, dans un premier temps, des vidéos assez euh, générales, euh, débutantes, entre guillemets. Et donc, du coup, euh, ce serait des choses qui seraient plus ou moins jamais obsolètes. Après, euh, pour tout ce qui est. Euh, S'il y avait des cours précis, euh, oui, ce serait mis à jour, forcément. Forcément. Après, peut-être pas dans l'heure, mais ce serait mis à jour. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est tout l'intérêt. En fait, si vous voulez. Euh, ce que j'ai pour l'instant dans l'optique, pour être transparent avec vous, c'est euh, vraiment m'inspirer un peu de Academind, donc euh, c'est la plateforme de, euh, de Maximilian Schwarzmüller, qui est un, un formateur génial que vous pouvez, vous pouvez aller acheter ses formations les yeux fermés, il hein, n'y a pas de problème, mais c'est en anglais, moi j'aimerais que ce soit en français, ce serait créer de la ressource de, cette, de ce niveau-là, mais en français du coup, pour la communauté francophone. Et euh, Academine propose des tutoriels. Donc ça, ce serait pour moi l'équivalent sur la chaîne. Euh, ce seraient euh, les capsules dev, en fait, euh, qui seraient ensuite réintégrées dans le Cool Dev Club. Donc on pourrait le retrouver dans le, cool dev, dans, dans le Cool Dev Club, mais qui ne seraient pas des cours en soi, qui seraient que des tutos qui serviraient à, à, à réaliser les projets, par exemple. Et euh, les cours, euh, lui, il les propose. Voilà, vous voyez, euh, sous forme, par exemple, il a fait un cours récemment sur Next et React. Et, euh, et vous voyez que euh, ben, on peut acheter le cours à l'unité. Donc le cours à l'unité, euh, là il fait une promo, mais c'est une promo artificielle, mais en gros elle est à 30 euros quoi à peu près. Euh, et on peut s'abonner, parce qu'il a vraiment beaucoup de cours, on peut s'abonner à euh, tous les cours pour euh, 19 euros par mois. Vous voyez Donc moi ce que j'envisage, étant donné que la plateforme elle sera gratuite. Euh, c'est de proposer un système similaire, c'est-à-dire que si je fais des cours de A à Z, c'est de vendre le cours, euh, je sais pas, entre 30 et 50 euros peut-être, et euh, avoir un accès premium complet avec tous les cours accessibles, euh, etc., pour euh, sûrement un tarif euh, assez similaire, peut-être 15 euros par mois euh, si on paye au mois, et avoir une, euh, une réduction euh, si on prend plusieurs mois avec un truc secret. Que je vous expliquerai un jour et que j'ai en tête depuis très longtemps. Donc, <laughs> donc voilà. Et en fait, j'aimerais que ce soit une sorte de hub. C'est-à-dire que, euh, imaginons que vous soyez euh, premium sur le Cool Dev Club et que moi je crée des applications à côté. Euh, bah, L'objectif serait qu'en fait, avec un seul compte, vous puissiez accéder à toutes les fonctionnalités premium des autres applications ou avoir des trucs exclusifs, etc. Même au-delà du Cool Dev Club, de tout ce que je produis, moi, de mon côté. Euh, en étant abonné. Donc euh, voilà. Après, je ne peux pas demander un, un, un tarif de fou au début parce que n'y bah, y aura pas un, un, un contenu énorme. Je pense que dans un premier temps, ce sera, euh, ce sera gratuit. De toute façon, même le contenu une forme, une partie du contenu euh, premium sera gratuit dans la première phase de bêta. Et puis après, bah, ceux qui sont fidèles au, au poste ici, euh, je vous filerai peut-être un, un petit abonnement gratuit euh, pendant un temps <laughs> pour que vous puissiez tester et vous remercier de votre fidélité. Pas cam, impatient d'être sur la plateforme. Bah moi aussi. Les cours premium, ce sera sur quoi Bah cours premium, ce serait euh, du euh, un framework de A à Z, un langage de A à Z. Euh, ce serait ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas forcément envie d'avoir du cours premium. J'aimerais bien plutôt avoir de la réalisation de projets concrètes, parce que j'aimerais orienter la la plateforme en, en mode scénario projet. Et du coup, en fait, moi, vous proposez ma version de la réalisation et euh, Comment je l'aurais fait avec les technologies que j'utilise moi. Mais je, 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 c'est encore dans la réflexion. Mais il y aurait peut-être des cours, je ne sais pas. Tout ça est encore à l'étude. Mais si vous avez des, des idées, euh, vous pouvez me les partager il n'y a pas de souci. Richard, génial, Academy. Ouais, je suis d'accord, c'est pour moi la référence hein, aujourd'hui, Academy. Qui a fait lui de ton app, Arthur Eh bien, c'est moi. <laughs> c'est moi, je l'ai fait en live avec vous dans les premières semaines. Donc j'en ai fait une partie de mon côté. Mais sinon, c'est moi qui ai fait lui. Voilà. Euh, Guillaume, pas eu trop le temps ce matin, pas grave, je suis passé mettre mon like. Bon courage, merci Guillaume, pas de soucis. »« J'achète Timothée. Bah, écoutez, j'espère que les que ça va, ça va marcher <laughs> parce que c'est énormément de travail. Mais bon, j'essaie de faire un truc qui sort un peu des, de ce qu'on vous fait d'habitude, c'est-à-dire que je sais que par exemple, il y a beaucoup de youtubeurs, justement du YouTube game français qui vous proposent des formations one shot à 50, 100 euros. Mais c'est tout, vous avez que la formation. Alors que là, moi, j'aimerais que ce soit plus que ça, plus que ça. n'a, ça pour moi, c'est plus intéressant de faire ça. Il y a plus de performance derrière un projet comme ça que juste vous faire de la formation. C'est trop facile. J'ai pas envie de faire un truc facile. Et peut-être que c'est tellement compliqué que j'arriverai jamais à le faire. Mais on verra. Fabien, regarde Dima, ils ont un truc propre pour l'apprentissage. Ok, je regarderai. Arnaud. Ah, je connaissais pas du tout Academind, c'est vraiment pas mal. Ouais, ouais, Academind, c'est cool. Après, c'est des ressources en anglais, il faut adhérer après au, euh, à la pédagogie de Academind, mais euh, moi je trouve qu'elle est très bien. Si on met en x2, la vitesse. <laughs> dire bah la classe, le petit privilège pour les fans. Ah bah ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr, vous faut être sûr que dans un premier temps, euh, ceux qui sont là aujourd'hui pendant les daily dev, euh, vous aurez un accès <laughs> et vous ferez la bêta avec moi et tout. Hein. Ça c'est sûr et certain. Et vous aurez, euh, aurez peut-être un badge, je ne sais pas, ambassadeur euh, qui restera tout le temps euh, ou autre. Mais <laughs> je veux que ce soit un truc cool comme ça. Matt, pro des affaires, tu sais vendre, ça a l'air trop intéressant de projet. Par contre, ce sera orienté front. Ah, C'est la grande question. Dans un premier temps, ce sera forcément un peu orienté front, parce que je suis avant tout front et donc c'est ce que je peux transmettre le mieux. Mais euh, je suis, je sais faire du bac aussi, donc je pense qu'il y aura une partie bac, mais il y a un moment, il va falloir que je délègue aussi une partie de, de, de la création du contenu à euh, des gens qui seront peut-être plus, euh, plus pertinents que moi euh, sur le bac. Donc. Euh... Le bac, je peux, je peux vous faire des cours sur le bac, je peux vous transmettre des choses sur le bac, mais je, je pense que ce que j'ai à apporter de mon côté sera plus intéressant sur le front dans un premier temps. Donc, ce sera forcément plus orienté front au début, mais le bac va venir très vite. Et j'ai d'ailleurs un ami à moi que j'aimerais bien ramener euh, sur le projet en tant que dev, euh, qui est euh, un ami, euh, mon ami le plus ancien. <laughs> On se connaît depuis qu'on a deux ans. C'est lui qui m'a poussé à devenir dev. Et... Euh, et lui, par contre, est très spécialisé bac et pourrait vraiment apporter sa pierre en termes de, de bac. Mais il faut que je voie avec lui. Euh, tu travailles avec Polypan. Non, je ne sais pas ce que c'est. Pas qu'un. Vu la super qualité des vidéos YouTube, on n'a aucun doute sur la qualité des futurs tutos et cours premium. Merci. Fabien Satu. Merci. C'est possible, quand mon projet sera avancé, de faire une affiliation. Alain, fais ton projet, après on <laughs> verra. Il faut que tu avances sur ton projet, tu le finis, et après tout est, tout est possible. Mais il faut que tu aies un truc à, à montrer. Ah oui, le badge top, l'idée, bah oui, vous aurez un petit truc premium, c'est sûr. Est-ce qu'on pourrait apporter notre contribution pour les contenus des cours, après vérification, bien sûr. Alors, comme je vous le disais, on, on discute un tout petit peu après, il faudra que je vous laisse, mais je vais finir la discussion avec vous. Comme je vous le disais, il y aura toute une partie notions euh, dans la plateforme. Notions qui seront rattachées à des scénarios projets. Euh, ces choses-là permettront de profiter de la plateforme gratuitement et seront en, en, en mode collaboratif. C'est-à-dire que moi, je vais apporter euh, juste le fait de relier les choses les unes aux autres. Euh, apporter quelques liens euh, pour se documenter sur des sujets ou autres, mais il y aura une énorme part qui sera vous apporter du contenu, vous peut-être euh, la, sous la forme d'un wiki améliorer le contenu, etc., etc. Et moi aussi, hein, bien sûr, quand je dis vous, c'est nous en fait à améliorer le contenu ensemble, euh, mais il y aura bien sûr un aspect comme ça, c'est clair. Et puis peut-être qu'un jour ce sera ouvert à des cours euh, ou des tutos externes et euh, peut-être un système de rémunération euh, global et tout, ça peut être envisageable, tout envisageable, bien sûr. Rania, front avec quel framework j'espère bien React. Bah euh, moi aussi j'espère bien React. <laughs> dans un premier temps, ce sera peut-être Vue et Next, euh, mais c'est sûr qu'il y aura du React parce que c'est le plus euh, le plus demandé aujourd'hui. Mais il faut que je m'y remette dessus, je suis un peu rouillé moi en React. Mais oui, React ça fera partie sûrement de, des éléments. Mais en fait, si vous voulez, dans les scénarios projets à réaliser, il n'y aura pas une techno vous, qui vous sera imposée. Ce sera un scénario projet et vous choisissez les technos que vous voulez. Et euh, en fonction de, 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 de si la techno euh, est, a des ressources sur la plateforme, elles seront reliées à ce projet scénario. Mais euh, sinon, vous pouvez choisir, vous pourrez choisir ce que vous voulez pour faire les. Il y aura une guideline, il y aura une roadmap pour réaliser le projet, mais en théorie, vous pourrez choisir ce que vous voulez pour le réaliser. C'est ça qui est intéressant. Pacam, trop bonne idée le badge. Ça, j'ai déjà lu. Merci Pacam. Fabien. J'ai Daily qui commence, à bientôt un plaisir de pouvoir changer avec la commune. Merci Fabien, merci, bonne Daily à toi. Arnaud, on aura tous un Pins, cool Dev Club. Ah mais vous aurez mieux que ça, mais vous n'êtes pas prêt, je vous le dis. Je vous réserve une surprise, vous allez comprendre un truc à la fin de pourquoi j'ai choisi ce thème et tout a un sens. Je vous le dis aujourd'hui parce que j'adore faire ce genre de truc, de poser des, des balises dans le temps et vous dire, vous vous souvenez, ce jour-là, je vous avais dit ça. Il y a un truc secret dans le projet qui va être trop stylé. Si j'arrive à le faire, mais j'ai eu cette idée avant de faire le projet, donc euh, c'est pour ça que je la garde secrète. Mais vous inquiétez pas, un jour vous saurez. <laughs> mais ça va être trop cool. Mieux qu'un pins, t'inquiète. Bonjour, Hassan. Bonjour, mais je vais vous laisser, mais, hein, malheureusement. Richard, au boulot, Oui, je sais, je <laughs> vais vous laisser. J'aimerais bien rester avec vous toute la matinée, mais je ne peux pas. MC, je viens de me lancer dans l'apprentissage de Kotlin, mais je me demande si Flutter ne serait pas mieux. Bah pour si tu maîtrises F euh, Kotlin, dans le futur, euh, Flutter sera beaucoup plus simple. Ça, c'est clair. Donc, euh, pourquoi pas? Virbaya le tease. Bah oui, hein. <laughs> bien sûr. Merci Florian. On va avoir une carte Fugueo Cool Dev Club. Eh, hey, peut-être. Hein. <laughs> peut-être que c'est un truc dans le genre. Hein. Peut-être. Mais tu as dans l'esprit compris le truc, en tout cas. Je pense. Com vous commencez à me cerner un petit peu, donc euh... mais ne euh, lancez de... pas trop d'absents parce que ça se trouve vous allez vraiment trouver ce que je vais faire. Mais bon, vous pouvez spéculer sur ce que je vais faire. Bon les amis, je vais vous laisser. Il euh, faut que j'aille travailler. Euh, je vous souhaite à tous une bonne journée. C'était une matinée euh, pas très productive, mais euh, ça nous a permis d'échanger. De, de... Je pense que c'est même plus intéressant pour vous qu'on fasse ça. C'est plus sympa. Et, euh, et non, je ne lâcherai pas le morceau pour euh, quelque somme que ce soit. Merci à toi Sarah, bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Ciao, ciao.